Bien salut les gens, c'est Calibo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode, oui bien sûr, de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Fallait s'y attendre, hein. Je pense que vous me connaissez, je kiffe ce jeu. Bref, je vous dis toujours la même chose à chaque épisode. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à la zone d'exercice au vol qui se situe juste là-bas. D'ailleurs, il y a un petit sanctuaire des familles. Parce que oui, la dernière fois, on était allé parler au chef du village et il nous avait dit qu'il fallait aller chercher Teba qui est un piaf qui va nous aider à combattre Vamedo. Rip mon boomerang les Halles. Donc oui, il va nous aider à combattre Vamedo. Donc il va falloir aller le voir. Mais d'abord, j'ai remarqué en montant le dernier épisode que cette personne avait une quête pour nous. Et écoutez, on va lui faire tout de suite. Salut. Oh, mais t'es un nid, on dirait. Tu te balades? T'essaies de te recentrer sur ton moi profond. Sur ton moi profond. Oui, mais non, mais bon. Tel que tu me vois, je suis en lune de miel. Mais je pensais pas atterrir dans un tel trou paumé. Tu trouves que c'est un trou paumé? Moi, je trouve que c'est joli, ce village. Enfin, après, chacun son avis, hein. Dans la cité Gerudo, on trouve des bijoux superbes. Le domaine Zora est un endroit riche en spiritualité. Ici, zéro. Je pense qu'à une chose, c'est rentrer chez moi. Bah, c'est vrai. Honnêtement, j'en ai ras la pâquerette. Mon mari me présente sans cesse ses excuses pour m'avoir amené ici, mais ça me fait une belle jambe. Le moins qu'il pourrait faire, ce serait de m'apporter une pomme grillée, non? C'est quand même pas le bout du monde. Ouais, donc elle veut une pomme grillée, j'imagine. On va lui apporter... Est-ce qu'on a une pomme grillée? Parce que si on a comme ça, on fait directement la quête. Je crois que c'est dans les plats. On a une pomme grillée. Écoutez, on va pouvoir aller directement faire cette quête. Quoi? Et je connais cette odeur, toi. Tu as une pomme grillée sur toi. Tu veux bien m'en donner une? Je te donnerai un truc en échange. No soucis. Sérieux? Eh, merci. Tiens, chose promise, chose due. 100 rubis? Bah écoutez, ça nous remonte à 3000 rubis. Ça va nous permettre d'aller acheter la maison au village de Délimite. Ouais, mais... Donc en gros, elle veut qu'après on lui apporte des pommes, si on en a encore. C'est pas ce qu'on va faire, hein. Nous, on va notamment... Enfin, on va surtout aller se faire... Bah, c'est juste par là-bas. On va aller se faire la zone d'exercice au vol pour aller voir ce fameux Teba. Alors, j'espère qu'on va pouvoir atteindre l'autre côté sans avoir escaladé parce que j'aime pas trop escalader. En tout cas, on n'a pas beaucoup d'endurance. Vous allez me dire, bah oui, bah t'avais qu'à prendre de l'endurance dans le dernier épisode. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu, mais les cœurs aussi, c'est important. Oui, d'ailleurs, j'ai pensé à lancer mon chronomètre, hein, grande nouveauté. Donc, je sais qu'on en est actuellement à 3 minutes de vidéo. Pour vous, c'est 3 minutes et un peu plus parce qu'il y a le générique. Oh, il fait froid. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire. On l'a pas remis depuis longtemps. Il va falloir remettre notre doublet. On a encore froid. Bon, bah, on a bien fait d'acheter le pantalon piaf, hein. C'est bon, on tient suffisamment. Par contre, je crois que dans la neige, on est un petit peu plus lent. Oula, il y a des mobs là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les prendre en photo? Beaucoup bien noir. Non. Stalmobline. Non, mais c'est pas lui que je veux. Alors, vous savez quoi? On s'en occupera plus tard des photos. What? Je te protège. Bon, bah, merci Nifa. Merci beaucoup. Est-ce qu'on essaie de les tuer? Vous avez une astuce pour buter les monstres à cheval parce que là ils sont vraiment galères. Quoique non, ça va. Tu leur tires une flèche, ils tombent. Bon. Est-ce qu'on va le faire le sanctuaire là-bas? Je sais pas. En vrai, je pense qu'on a un petit peu de temps. Donc, ouais, pourquoi pas. Why not? Par contre, non, toi, mec, tu me poursuis pas en fait. Voilà. Merci, au revoir. Et donc, on a le sanctuaire de Chatawa. Ok. Et on va pouvoir d'ailleurs le faire tout de suite. Parce qu'on a du temps. La voie cachée du vent. Donc je pense qu'il va falloir utiliser ces courants avec notre paravoile, là, le vent qui monte. Ok. On monte. Pour l'instant, c'est pas trop difficile. Ah! Hello, toi! Au revoir, toi! Maintenant, je vais essayer de récupérer tes loot. Bon, un ressort antique. C'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Ici, on a 50 rubis, pareil, je prends, hein, nos problémos.
On monte par là. Ici, on tombe encore sur un moulin. Enfin, un moulin, un ventilateur. Vous appelez ça comme vous voulez. Et après, on a quoi? Encore un ventilateur. Il va falloir monter là. Non, on veut pas aller assez haut. Bah merde alors. Y'a pas un moyen genre... hop. Non. Non. Attendez, on va essayer de retourner là déjà. Cool. Régène. Ouais non, je sais pas. Est-ce qu'il y a pas une plateforme qui est cachée derrière? Non. Ah, un trou. Non. Merde. Bon, au moins on a vu où est-ce que c'est. On a vu où est-ce que c'est, donc bah ça va. Juste, est-ce que vous trouvez que le son de mon micro, est-ce que vous trouvez qu'il est assez fort? Parce que s'il est pas assez fort, bien sûr, je peux le monter, hein, y a pas de problème. Donc dites-le moi dans les commentaires, est-ce que le son c'est bon, est-ce qu'il est trop faible, trop fort? Je parle vraiment du micro, hein, le son du jeu, je peux pas le modifier. Oui, aussi, aujourd'hui c'était censé être un épisode de Pokémon Bouclier, sauf que j'ai eu le même bug que dans l'épisode 19 de ce Let's Play, c'est-à-dire y a pas ma voix. Donc, pour ceux qui veulent regarder le Let's Play, est-ce que je vous mets en ligne l'épisode sans ma voix ou est-ce que je fais le doublage comme j'avais fait la dernière fois, en sachant que ça va me prendre un petit peu plus de temps? Dites-moi tout ça dans les commentaires parce que j'aurais bien aimé vous mettre un sondage, sauf que je crois qu'ils ont désactivé les sondages. YouTube a désactivé les sondages. Après, peut-être qu'il y a moyen de faire des sondages, mais quand t'as genre 1000 abonnés, ils donnent toujours plein de privilèges aux youtubeurs qui ont 1000 abonnés, mais... Enfin, moi je les ai pas. Donc dites-moi dans les commentaires. Maintenant les commentaires, ce sera là pour les sondages. Bon, donc la zone d'exercice au vol, elle est juste... Bah ouais, je pense que c'est ça. Donc on va y retrouver ce fameux piaf. Enfin, je pense que c'est un piaf, hein. Qui s'appelle Teba. C'est quoi ce truc? Voilà, zone d'exercice au vol. On est bien... Je crois qu'il y a du vent qui monte ici. Hop. Ouais. Il y a du vent qui monte. Coucou. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Cool, ils lui ont aussi fait une voix. Par contre, je comprends pas parce que je suis arrivé par cette partie-là et je me retrouve ici. Peut-être que c'est parce que de base, les joueurs de base étaient censés arriver par ici et donc activer la cinématique. Ici, je vois qu'on a un petit arc. C'est un flèche en bois. Arc de l'hirondelle. Non, franchement, on n'a rien à jarter. Encore 5 flèches en bois, je prends aussi. Bah, du coup, on va lui parler. Hein. Qu'est-ce que tu veux? J'ai affaire, ne viens pas me déranger. Je veux t'aider. M'aider à faire quoi? Bah, Vamedo, tu vois. Un instant! Tu te présentes ici. Tu es au courant pour Vamedo. Est-ce le chef ou ma femme qui t'envoie? Dans les deux cas, tu m'as trouvé, étranger. Je suis bien Teba. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Link. Link, ce nom est familier. Link. J'imagine que c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener, pas vrai? Bah, ouais. Évidemment, il n'y a que le chef pour faire ainsi confiance au premier venu. On t'a probablement demandé de me ramener au village avant que Medo ne provoque une autre tragédie, pas vrai? Désolé de te décevoir, mais ma décision est prise. Je n'ai pas suivi l'entraînement des guerriers piaf pour fuir le danger. Je ne courberai pas les chines devant ce monstre. Je ne reviendrai pas au village sans avoir vengé le sang de mon ami. Non, je ne reviendrai au village piaf qu'à une condition. C'est... que nous mettions fin au règne de Vamedo et à son balai lugubre au-dessus de nos têtes. Vamedo doit tomber et je n'aurai pas de repos avant de la voir à terre. Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assombrir notre ciel, alors seulement je reviendrai au village. Ben je sais. Hein? Comment ça tu sais? On t'a parlé de moi au village, c'est ça? Les gens savent à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, le chef a raison. Pour arrêter Vamedo, il faudra l'attaquer de l'intérieur. Tu es vraiment prêt à te lancer dans une entreprise aussi périlleuse? Bah ouais, c'est mon devoir. Non seulement t'as pas d'aile, mais tu serais un peu lent à la détente en plus. Bon, je t'explique.
Les seules personnes capables d'ouvrir l'accès à la créature divine sont les cinq prodiges. Le problème, c'est que tous ces héros sont morts il y a 100 ans. Ganon les a... Et puis non, ça suffira comme ça. Tu n'as pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans Vamedo. Si tu te jettes sur elle comme un fou, tu ne sauras rien de plus que de la vulgaire chair à canon. C'est pourquoi je dois d'abord te mettre à l'épreuve. Il y a un fort courant ascendant dans ce ramin 20. J'ai vu ça, oui. Il suffit de tenir une pièce de tissu au-dessus de ta tête pour flotter dans les airs. Notre paravoie, bien sûr. Voyons comment tu te sors de cet exercice d'entraînement piaf. Tu vas devoir te diriger habilement pour détruire 5 cibles en 3 minutes. Bah fastoche, hein, écoutez. Dans ce cas, prouve-le. Sers-toi de ton arc pour détruire 5 cibles. Quand tu veux, mec. En 3 minutes, 5 cibles. 3, 2, 1. Let's go. Donc ouais, c'est ça les cibles, j'imagine. Hop. Hop. Non, j'étais trop loin. La musique d'ambiance est pas mal. Je pourrais peut-être l'utiliser dans une série, par exemple. J'ai remarqué que quand je reprends ma paravoile, pour le coup, je reprends aussi mon endurance. Hop. Et de 5. On l'a fait en 15 secondes, les gens. Très bien, reviens par ici. Tu es un archer talentueux. On aurait dit que le temps s'arrêtait à chaque fois que tu décochais une flèche. Pardonne-moi, Link, je t'ai sous-estimé. Ta maîtrise de l'arc est impressionnante. Je sais pas si vous avez la même impression, mais moi j'ai l'impression que la couleur de l'écran a changé. Peut-être que c'est juste mon écran. Mais bon, pas grave. Tu as dû en traverser des épreuves pour arriver à un tel niveau. À un tel niveau. Ouais, c'est ça. J'imagine. Il fait tout le temps. Trop marrant. Link, c'est ça. Ça me plaît bien. J'ai une faveur à te demander, Link. Viens avec moi. Allons combattre Medo ensemble. Tiens-toi à mes côtés et fais taire ces affreux canons une bonne fois pour toutes. Regarde dans ce coffre. Tu trouveras un arc amélioré par mes soins. Prends-le. Et préviens-moi quand tu auras terminé tes préparatifs. Bah écoute, je vais prendre ton arc. Arc du faucon. Bah, ça m'a l'air un peu plus puissant que l'arc de l'hirondelle, donc... Ciao. Voilà, et d'ailleurs on va se l'équiper, hein. Forcément il nous donne un arc, on va se le mettre. L'heure est enfin venue d'affronter Vamedo. Te fatigue pas à lui envoyer des flèches normales, ça se chatouillerait même pas. Non, pour réduire ses maudits canons au silence, c'est des flèches explosives qu'il faut décocher. Tiens, prends ces flèches explosives. Je n'en ai pas beaucoup, alors c'est juste pour cette fois. Et puisque tu m'aides, c'est le moins que je puisse faire. 20 flèches explosives. Genre ce truc, ça coûte 3000 rubis. Merci, mec. C'est sympa, c'est super sympa. N'oublie pas non plus qu'il va faire un froid glacial là-haut. Bah c'est bon, je suis déjà équipé. Tu as terminé tes préparatifs? J'espère que tu as un plat chaud ou des vêtements protégeant du froid. Bah c'est bon, je suis prêt. Bien, mais avant, j'ai une question à te poser. Pourquoi veux-tu tellement m'aider à triompher de Medo? Bah, pour Zelda. Zelda? C'est drôle, c'est justement le nom de la princesse que Rivali servait il y a 100 ans au château d'Hyrule. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas très bien ce que cette personne a à voir avec Medo. Mais si tu décides de m'aider, je ne vais pas essayer de t'en dissuader. Pas vrai, partenaire? Allez, let's go. Bien, on dirait que l'heure est venue. Allez, grimpe! Ah, ça va être le combat, c'est cool. Let's go, les gens, pour le combat. Yes, la musique me plaît en tout cas. Ça y est, nous y voilà. Quand je vois cette attitude, j'ai l'impression que je vais me transformer en glaçon. La musique est stylée, la créature divine est ultra stylée. Alors, Vamedo juste là. What the fuck? C'est quoi ça? Mais la barrière qui la protège va nous poser quelques problèmes. Bon, apparemment, c'est une barrière. Ok. Mais la créature est stylée, la musique est stylée. Moi, j'ai envie de dire, c'est un combat qui va être stylé. Et je pense que j'utiliserai d'ailleurs la musique dans une de mes séries. Hein. Eh bien, tu ne dis plus rien? C'est la peur qui te cloue le bec. Allons, reviens et prends le plan ensemble. Tu vois ces canons? Je vais essayer d'attirer l'attention de la créature pour qu'elle me tire dessus. Pendant ce temps, tu vas devoir les détruire avec tes flèches explosives, ça te va? Si t'as besoin de t'éloigner un peu de la cible, tu n'auras qu'à sortir ta paravoile. Si tu restes un moment dans un courant ascendant, je pourrais venir te reprendre sur mon dos. Sur mon dos, tu n'auras qu'à demander. Inutile de perdre ton temps à viser la barrière autour de la bête, en tout cas. Et quoi qu'il arrive, ne la touche surtout pas. Dernière chose,
Tu vas me dire que je me répète, mais c'est primordial. N'oublie pas de te protéger contre le froid. C'est bon. On y va dès que tu seras prêt. Allons-y. À toi de jouer. Élimine-moi ces canons. Ça va faire mal. Waouh, la musique. Et les musiques de ce jeu sont juste fantastiques. Je vais m'approcher de ce canon. Je vais balancer une flèche. Je vais même en foutre une autre. Une deuxième. Voilà. On a déjà buté un. Il y en a donc a priori 4 sur les 4 côtés de la créature. Et coucou. Et ben non, c'est raté. On redescend un peu. Et 1 et 2. Parfait. La troisième, elle est. On va faire celle-là, vous savez quoi? Non, je l'ai pas touché. Hop. Et de une. Et de deux. Et on va s'occuper de la dernière qui est juste là-bas. Coucou. Pour l'instant, tes baies m'aident pas tellement. Hein. Je dis ça, je dis rien. Le canon essaye plutôt de me tirer sur moi. J'ai failli toucher la barrière. Et... boum. C'est bon les gens. On a terminé le combat. Yes. Bon, en fait au final on aura tout fait tout seul parce que Keba il s'est juste amusé à voler autour. Il a pas fait grand chose, on va pas se mentir. On a réussi. La barrière a disparu. Par contre... elle m'a eu avec ses tirs de canon. Désolé, je vais devoir retourner à la zone d'exercice. C'est rien de grave, t'en fais pas pour moi. Occupe-toi plutôt de Vamedo. Vas-y, Link. Tu vas y arriver. Deuxième créature divine, c'est bon, on a le point de téléportation. La créature est sur la carte. Et oui, si je me suis complètement mute. Mais qui voilà ? Je savais que tu viendrais. Je n'en ai jamais douté. Mais tu ne manques pas de culot de m'avoir fait attendre plus de 100 ans. Deux secondes, je reviens tout de suite. C'est bon, je suis de retour. Oui, si je disais... Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Oui, si je mettais mute pendant toute la cinématique, c'est parce que bah, je considérais ça comme une cinématique, donc vous étonnez pas. J'imagine que tu es venu reprendre Medo à Ganon. Exactement. Alors va chercher la carte. Tu en auras besoin pour avoir une vue d'ensemble de la créature divine. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Donc il va falloir tout le temps aller chercher les cartes, tout ça. Je pense quand même qu'on fera la créature divine voilà dans la le... la pierre guide dans laquelle sont contenues les informations de la carte. Voyons si tu arrives à l'atteindre. Je pense qu'on fera la créature divine quand même dans un ou deux épisodes, soit le prochain, soit peut-être même plus. Bon, on est haut. Mais je pense ouais, qu'on va pas la faire aujourd'hui. De toute évidence, on va pas la faire aujourd'hui parce que, bah... on a d'autres choses à faire, quoi. Je sais même pas pourquoi je suis allé là. Comment est-ce qu'on remonte en plus ?
Bon, on va se laisser tomber comme une grosse merde. Bref, ouais, donc ce sera pour la prochaine fois. On est où là? Ouais, c'est bon, on est là. Je vais juste récupérer ce coffre, hein, tant qu'on y est. Mais on va pas plus loin, ok? On va aller faire autre chose, peut-être des quêtes du village Piaf. Je sais pas. Non, oui, non, j'ai une meilleure idée. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a deux épisodes que j'en ai parlé, l'épisode 19. Mais on a eu un commentaire de Pierre, parce que, encore une fois, je t'appellerai comme ça, je pense, qui disait donc qu'il fallait aller au domaine Zora voir un Piaf qui s'appelle Mabel. Donc, domaine Zora. Pas un Piaf. Aller voir un Zora qui s'appelle Mabel pour qu'il nous active une quête. C'est pour avoir le pantalon Zora et il faut prendre le Linel en photo. Donc je propose qu'on aille faire ça ouais, parce qu'on en est qu'à 23 minutes. Donc on a encore pas mal de temps. Et je sais pas quoi faire pendant ce temps. Donc allons faire cette quête. Et je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se faire peut-être des sanctuaires? Ou peut-être de la recherche de sanctuaires, on sera peut-être aussi ça dans le prochain épisode. Ou alors les quêtes du village Piaf. Épreuve. Ah, t'es Lien qui a aidé le prince Sidon. T'es pas mal non plus en fait. Bon, t'arrives pas au niveau du prince. Mais t'es pas trop moche. Surtout pour un Lien. Je veux bien discuter avec toi. Tu veux discuter? Que j'en tue. Hein, toi aussi t'aimes les chansons? C'est l'hymne de la fête du prodige. Tu veux que je le chante pour toi? Bah ouais. D'accord. Voici l'hymne de la fête du prodige. C'est parti. Du haut du ciel, une lumière brise le socle de Serra. L'épreuve est là dans la rivière. Et c'est tout. Je comprends pas trop bien de quoi ça parle, mais c'est pas grave. Je vais la chanter à la fête du prodige. Normalement, c'est Mordant qui prépare la fête du prodige, mais là, il a encore rien fait. C'est censé me faire quelque chose? Je m'en fous un peu, en fait. Quoique c'est une quête, donc ça va. Enfin, c'est quand même utile. Je me demande pourquoi tu crois qu'il a oublié la fête. Bah, c'est une quête sanctuaire, donc oui, en fait, ça m'intéresse. Mais, oula, je suis bloqué. J'étais complètement bloqué dans le poteau. Oui, donc on va aller parler à Mabel. Je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Mais on va chercher un petit peu partout. Toi, tu t'appelles, je sais pas. Donc, s'il n'y a pas le nom, à mon avis, bah c'est qu'on peut pas le savoir. Toi, tu t'appelles... Ah, t'as une quête aussi. Non, Poria. Ouais, non, c'est pas toi. Inox de l'étang de Lars. Ok. D'accord, va falloir juste tuer un Inox, ok. Petite quête. C'est toi, Mabel? Nelsis. Non, c'est pas toi. C'est pas toi du tout. Eh bien, c'est ma femme, Majorie, elle est partie toute seule et n'est pas rentrée. Alors que Varoutet venait de se réveiller et elle est pêchée comme à son habitude. Eh bien, la créature divine soit à nouveau. Eh bien que la créature divine soit à nouveau calme, elle n'est toujours pas de retour. Je commence à craindre le pire si seulement je l'avais retenue. Misère. Ouais, je vais la chercher, d'accord. Tu sais, le domaine Zora. Ouais, t'inquiète, je fais tout, moi. Je suis polyvalent, comme on dit. Donc, est-ce que c'est toi, Mabel? Ah, t'as une quête en tout cas. Oui, Mabel, c'est ça, exactement. Link, la créature divine est apaisée, mais notre domaine est toujours la proie de nombreux dangers. Ah, ça m'a l'air d'être ça. La montagne là-bas, c'est le mont de la foudre. Un monstre à la crinière rouge appelé le Linel Ivy. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, parce que je vois que la quête, elle est vraiment là. Donc, merci à toi, gros big up. Je voudrais que tu me montres à quoi ressemble un Linel. Peu importe qu'il s'agisse de celui-là ou de la peu importe qu'il s'agisse de celui de la montagne ou d'un autre. Peux-tu faire ça pour moi? Oui, bien sûr. Bah si, ouais. Ouais, non mais ok, je connais, c'est bon. Va falloir juste aller monter chercher le Linel. Vu qu'on l'a déjà fait en vidéo. Enfin, la montée, on l'a déjà fait en vidéo. Donc, je pense que je vais le faire en off. On se retrouve tout de suite. Donc, on est juste en haut de du mont de la foudre. Donc, ce que j'ai fait, là, le chemin que j'ai fait en off, c'est... c'est à peu près ça.
Je suis passé par le lac Miko et le lac Lulu, qui sont d'ailleurs le nom de personnages de Zelda Majora's Mask. Et ça m'a pris quand même un petit peu de temps, mais pas trop. Quelques minutes seulement, vous inquiétez pas. Mais j'ai préféré quand même l'enlever parce que c'est pas très utile de faire ça. Donc il va falloir juste prendre le Inel en photo. Hop. Je vais peut-être essayer de m'approcher pour avoir une photo de lui de plus proche. Voilà, ça m'a l'air ok. Voilà, c'est parfait. En plus, il est dans l'encyclopédie. Bon, franchement, on va quand même pas le combattre. Parce qu'on l'a déjà combattu. Et en plus, là, on est encore plus puissant. Donc, ça va. Ça, on va pas perdre de temps à le combattre. Et je vais redescendre directement en paravoie jusqu'au domaine Zora. Même pas besoin de le faire en off. Vous voyez que c'est assez facile en planant. Quoi qu'en vrai... Ouais, non, ça va en vrai... J'avais peur de ne pas avoir assez d'endurance, mais je pense que ça sera bon. Écoutez-moi cette musique. C'est juste génial. D'ailleurs, je me rends compte que ça fait 2 épisodes que j'ai pas fait les amiibo. Donc oui, peut-être qu'on les fera à la fin de cet épisode-là. Ah, cette musique... Alors, normalement, mes bols est juste là. Voilà, écoutez, c'est parfait. Bonjour. Link. Où es-tu avec le Inel? Tiens, regarde ça. Merveilleux, voyons ça. Yes. Ah! Pardon pour ce cri étrange. Je vais bien. Voici donc à quoi ressemble un Inel. Quelle vision d'horreur. Après avoir vu ça, même les auras les plus téméraires devraient éviter le monde de la foudre. Je te remercie, je vais montrer cette image à tous les jeunes du domaine Zora. N'oublie pas ta récompense. C'est... On a les jambières Zora, les gens. Enfin. Donc, le commentaire disait bien vrai. Merci à toi. Maintenant, on est sûr et certain que c'était vrai. On a donc le full Zora. Parce que rappelez-vous, on avait retrouvé le casque Zora dans le lac Toto et l'armure Zora... nous avait été donné par le roi Dorefa. D'ailleurs, Dorefa, Mifa, Sidon. Les mecs, ils doivent être forts en musique, en fait. Bref. Écoutez, on a l'armure. Donc, c'est ça de fait. Ah, ok. Cool. Je m'en fous, en réalité. Mais tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on a les jambières Zora. Je vais pouvoir se mettre le casque. Voilà. Je suis un Zora. Bonjour à tous. Est-ce qu'il n'y a pas moyen juste de se... d'enlever ça? On va mettre l'arc Zora et on va se prendre cette... Voilà. Yo tout le monde, je suis un Zora. Bref, donc on a terminé cette quête-là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme quête? Genre, on va désactiver Remindo parce qu'on va pas la faire aujourd'hui. Photo souvenir. Non, perso, j'ai pas trop envie de le faire. L'arbre solitaire. Ça, c'est une quête du village Piaf. On pourra peut-être plutôt la faire dans le prochain épisode. On a la masse de... Les Quêtex, on a dit qu'on n'avait pas encore suffisamment de... On n'avait pas encore suffisamment couvert de terrain. Bah, en vrai, il y a peut-être moyen de se... Bon, je vais me remettre un stuff normal. Il y a peut-être bien moyen de se faire un... Une tour. Ou alors on fait quelque chose de plus simple. J'avais peut-être pensé à se faire le sanctuaire des Piaf. Parce que le sanctuaire des Piaf, pour l'instant, c'est le seul sanctuaire qu'on a ouvert, mais qu'on n'a pas fait. Donc écoutez, on va se le faire maintenant. Let's go. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que ça va être, ce sanctuaire? Je ne sais absolument pas. J'espère que ça va pas être trop difficile. Mais écoutez, j'ai envie de dire, on va voir. Ouais. Regardez-moi ça, je sens que je vais souffrir. Donc, je pense qu'il faut faire tourner tous les moulins à l'aide du vent.
qui est généré par ces ventilateurs. Donc déjà ça, ça va arrêter d'être inutile. On va tourner comme ceci. S'il y en a deux qui vont dans la même direction, c'est pas utile non plus. Donc on va les tourner. Hop. Et hop. Et un troisième coup d'ailleurs. Donc on a déjà fait ça. Ça. Attendez, vous savez quoi? Je vais remonter voir. Là, juste sur l'estrade. Pour avoir un petit peu une vue globale du truc à faire. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais. Bon, en vrai ça m'a l'air vraiment galère. Donc, je pense qu'il faudrait plutôt tourner ça dans ce sens-là. Tourner ça dans ce sens-là. Tourner ça là-bas. Donc dans ce sens-là. Le ventilateur là-bas, il sert plus à rien. Donc on va le tourner dans l'autre sens pour qu'il fasse tourner ces deux-là. Celui-là, pareil, il sert à rien. Donc on le fait tourner. Celui-là déjà va falloir le faire tourner aussi. Maintenant il nous reste juste celui-là à activer. Et comment est-ce qu'on l'active? Ça comment est-ce qu'on peut l'activer? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Je sais pas. Peut-être des coffres. Parce que... Ouais. Il y a des coffres ici. Vous me direz, il y a des coffres dans tous les sanctuaires. Ah, c'est peut-être là. Ouais, un coffre. Bon, ça va. Faut juste aller activer ça là-bas. J'ai l'impression qu'il tire plus droit que les autres, cet arc. On a donc le coffre ici. Il y a quoi dedans? Cœur antique, bah c'est cool, écoutez. Et là-bas, il m'a l'air d'y avoir des choses. Petit coup de cryonis. Hop. Ici, il y a quoi? Un coffre. Et je crois qu'il y avait une deuxième... un deuxième trou. Et je pense que oui, parce qu'on n'a pas encore tous les coffres. Donc... On va mettre un autre cryonis juste là. Et on va ouvrir. Lance-rémige. Elle fait quoi? 10. Franchement, ouais, on peut jeter ça. Là, l'espèce de petite épée du voyageur qui fait 5 de dégâts. J'ai envie de dire, on n'est plus à ce stade-là. Ouais, j'ai eu peur, ça m'a mis le compartiment des armes plein, mais non, c'était juste pour la... Ouais, là, c'est bon, on a tous les coffres. Mais reste encore cet emblème du triomphe, là. Non, mais en vrai, ça, c'est déjà un sanctuaire assez compliqué. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour activer celui là-bas. A few moments later. Hop. Et hop. Et on va faire comme ça. Lui là-bas, pareil, on va le faire tourner. 3 fois, du coup. Peut-être qu'en fait, j'étais parti sur une bonne lancée. Mais qu'au final, bah, c'est devenu... Mais qu'après, j'ai décidé de modifier. Non! C'est bon? Je croyais qu'il y en aurait encore plus à faire tourner, mais apparemment, non, c'est bon. On a... Ah ouais, parce que ces deux-là... C'est de là, en fait, ils étaient déjà activés par ces ventilateurs et j'avais pas noté ça. Bah écoutez, c'est cool. C'est vraiment super cool. Bah ouais. On va rentrer.
et ça va nous faire un deuxième emblème du triomphe, je crois. Ce qui va nous permettre de terminer sur les amiibo. Donc aujourd'hui, on va faire Mipha, Revali, Link de Skyward Sword et Link de Twilight Princess. D'ailleurs, peut-être que je pourrais faire un deuxième épisode de TP. Ouais, c'est possible, moi je dis. Ouais, on a déjà 35 minutes à peu près au compteur, là, sur ma montre. Donc écoutez, ouais, on va pouvoir se laisser juste après les amiibo. Mais ne quittez pas, parce que les amiibo, bah, c'est intéressant. On peut peut-être gagner des trucs cool, en vrai. Est-ce qu'on peut les ouvrir? Et quoi là-bas? Allez, un Korogu. Et c'est d'ailleurs là qu'on va ouvrir nos... Voilà, c'est ce que je disais, un Korogu. Donc on retournera peut-être voir Noya qui est à je sais plus quel relais. Je crois qu'il est au relais où on avait laissé Skywalker. Relais des marécages, voilà, il est là. Je pense qu'on a moyen de se faire les amiibo ici. Donc on va commencer avec Mipha. Qui peut, il me semble, nous donner le masque de sa créature divine. Non, moi je m'en fous de toi, le Korogu. A priori, on peut avoir le masque de sa créature divine. Lance Zora. Ouais. On a une autre lance Zora, coup de grâce. Bon, on a déjà cette lance, donc on s'en fout un peu. Y a quoi? On va faire, allez, Revali, qui nous donnera le masque de sa créature quand on l'aura terminé. Parce que voilà, il faut juste avoir terminé la créature divine pour pouvoir avoir le masque. Il y a des trucs qui sont tombés. Arc de l'hirondelle qui fait 18 de dégâts. Est-ce que j'ai pas un truc un peu nul à jarter? Si, ça à la rigueur. Arc de l'hirondelle, voilà. Voilà, voilà. Je pense que les fruits, on les a perdus. Pas bien grave. Link de Skyward Sword. Les caisses. On va prendre une grosse arme pour péter tout ça. On n'a pas de grosse arme. Bon, on va prendre la massue. Des pommes, des rubis. Moi, ça me va, vous savez. Flèche en bois. Encore des rubis, ça c'est cool. Flèche en bois et un rubis. Bon, ça pour le coup, j'ai connu mieux. Je crois que c'était ce coffre. C'est Vamedo qui nous passe au-dessus. 5 flèches électriques. Cool. Ouais, c'est l'ombre de Vamedo. Ok. Et le dernier, Link de Twilight Princess. Twilight Princess, le jeu que je fais en let's play, n'hésitez pas à aller voir. Le premier épisode est déjà sorti sur la chaîne. Il est un petit peu long, c'est pourquoi je vous conseille de le regarder en plusieurs fois. Il marche pas la... Ah, c'est bon, si c'est bon. J'avais eu peur. Hop. Il y a encore des trucs là. Non, mais tais-toi le Korogu, je veux juste de la bouffe, moi. On a... Coffre du crépuscule! Je m'y attendais absolument pas. On a la... Ouais, non, ça c'est bon, c'est la coffre du ciel. J'avais peur qu'on ait deux fois la même chose. Bah écoutez, on peut déjà commencer à ressembler à... Au Link de Twilight Princess. Bon, on n'a pas encore la tenue verte en vrai dans Twilight Princess. C'est un petit spoil, mais c'est pas non plus un spoil gigantesque. Et je pense qu'on va retourner au sanctuaire. Non, pas Vamedo. Au sanctuaire pour faire l'outro de la vidéo. Donc du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le montrer en lâchant votre plus beau pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. Pensez à vous abonner, c'est ça qui m'encourage à faire plus de vidéos. Et bah, ça me fait aussi très plaisir, hein. Donc abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Parce que je sais qu'il y en a qui sont obligés de regarder tous les jours pour voir quand l'épisode sort. Si vous activez la cloche, c'est bon, hein. Vous mettez toutes les notifications et bah, vous serez notifié dès que je sors une vidéo. N'hésitez pas également à aller checker mon serveur Discord. Il y a plein de trucs, donc allez le voir, le lien est dans la description. Allez voir également ma chaîne Twitch, vous pouvez me suivre parce que je vais bientôt faire des lives. Et écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut les gens, c'était Kaibo, à la prochaine. Ciao tout le monde.